Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro. Initiative et développement, c'est votre rendez-vous dominical. Aujourd'hui, c'est un jour spécial pour nous parce que nous allons parler d'une belle initiative des Congolais, mais beaucoup plus des Congolais des Grands Équateurs. Les Grands Équateurs, on prend les Sud Ubangi, Nord Ubangi, tout ce que vous connaissez, l'ancien Équateur. Nous allons parler de cette initiative, une très belle initiative qui contribue au développement de la République démocratique du Congo dans cette partie de la République. Et pour ce faire, nous allons recevoir pour vous une dame. C'est une grande dame pour nous. Alors, elle est sur ce plateau. Avec elle, nous allons parler un peu de l'apport de la femme dans cette dynamique et comment elle voit les choses, parce que nous tous, nous voulons contribuer, nous voulons ajouter notre petite pierre sur la construction, parce qu'on est en train de reconstruire notre pays. Alors, il est toujours important que nous apportions tout ce dont on a besoin pour une bonne construction. Alors, il s'agit de Madame Sarah qui est sur ces plateaux. Bonjour, Madame Sarah. Bonjour, Madame Africa. Vous allez bien? Très bien, merci. Et vous, Alors, j'espère. oui, je vais bien, merci. Vous êtes coordonnatrice à la Dynamique de 13 parlementaires UDPS. Ok. Une seule femme parmi les hommes, ça vous fait quoi? Je suis la seule coordonnatrice, mais je ne Oui. suis pas la seule femme parmi les hommes parce que nous sommes nombreux. Oui. Oui, mais du moins, ça me fait du bien. Ça me fait vraiment du bien. Et j'encourage aussi d'autres femmes à émerger dans la politique. D'accord. On dit souvent, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Nous espérons que votre présence va donner de l'espoir à cette dynamique. Vraiment, c'est ça, comme vous venez de le dire, la femme joue un très grand rôle d'abord pour le développement de la nation, parce que la femme donne la vie. C'est une mère. Non seulement elle donne la vie, mais elle éduque aussi. Elle éduque, elle prend soin de la famille et elle est aussi comme elle est la voix auprès de son homme. Elle est là pour conseiller l'homme, elle est là pour conseiller la société, elle apaise. Donc la femme joue un grand rôle et j'espère aussi la femme joue un très grand rôle dans la dynamique. Alors, c'est une fierté pour nous de recevoir une dame qui reconnaît ses vraies valeurs. Et à toutes les femmes qui nous suivent à travers le monde, nous vous souhaitons un très bon dimanche et espérons que vous serez spéciale, très spéciale partout où vous vous trouvez, dans n'importe quel domaine, que ce soit dans le ménage, que ce soit au marché, que ce soit dans des magasins, que ce soit dans la politique. Nous espérons que vous allez œuvrer. Et là, nous pensons à une dame, Madame Wivine Landou-Kavidi, qui est aussi membre du Conseil économique et social, une grande dame qui réfléchit et contribue au développement de la RDC, car dit-elle, l'alternative, c'est une femme. Alors, nous allons parler de cette dynamique. Hier, nous avons assisté à une très grande réunion, en tout cas une première pour le Grand Équateur, la dynamique de 13 parlementaires qui ont réfléchi sur comment contribuer au développement de la République, beaucoup plus sur le Grand Équateur. Vous savez que dans le temps où nous sommes, tout le monde cherche à porter sa pierre pour aider, pourquoi pas, et contribuer au développement de notre pays. La fois dernière, on a eu à assister avec le grand Kivu, qui avait à la tête de l'organisation Justin Bitakura, le petit-fils de sa grand-mère, avec l'aide de la régie. Nous allons suivre aussi également cet élément-là, et aussi le grand Équateur, parce que c'est ça qui est vraiment le nez des problèmes dont nous allons exploiter ici avec Madame Sarah. Alors, pour commencer, nous prenons d'abord, juste pour vous réchauffer la mémoire, nous prenons d'abord les grands Kivu. Les grands Kivu, parce que l'informateur est du grand Kivu et nous espérons que les choses vont aller vite parce que nous sommes les autres dans format Kitoko et espérons aussi que Nami Koloroya, la dynamique des 13 parlementaires, la coordination des Grands Équateurs va aussi gérer pour résoudre certains problèmes. Nous avons vraiment des problèmes des routes, des dessertes agricoles, le problème d'évacuation des produits, des transformations des produits. On va en parler avec Madame Sarah. Mais en attendant, nous vous proposons cet élément des Grands Kivu. Et puis on se retrouve pour continuer avec Madame Sarah et aussi les 13 parlementaires avec la coordination des Grands Équateurs. Tous réunis
ce samedi 23 janvier 2021 comme un seul homme, des fils et des filles du Grand Kivu, à savoir Maniema, Nord et Sud Kivu. Députés nationaux et provinciaux, sénateurs, ministres nationaux et provinciaux, ainsi que leurs notables, pour témoigner de leur soutien à l'Union sacrée et aux actions du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce fut aussi l'occasion de remercier le président de la République pour l'élévation d'un de leurs, le sénateur Modeste Batulukwebo, en qualité d'informateur. C'est avec modestie que nous prenons la parole pour d'abord remercier le président de la République qui, pendant cette période de mutation, a estimé que dans ce grand espace qu'est le Kivu, il pouvait puiser la personne, l'Ozora, qui devait l'aider à pouvoir identifier la nouvelle majorité qui va l'accompagner à refonder la nation, qui va l'accompagner à pouvoir affronter les problèmes que nous connaissons particulièrement dans notre espace. Pour le ministre honoraire du développement rural, Justin Bitakwira, il est temps de travailler la main dans la main, sans rancune ni règlement des comptes. Pendant des décennies, nous avons évolué dans une politique de rivalité négative et d'isolement entre nous. La débâcle du FCC actuellement en est une illustration, sans commentaire. La politique n'est pas un art des rancuniers, non. Il faut savoir s'adapter au contexte, car je sais que certains, et ils sont nombreux, à grincer les dents en me voyant à côté de mon grand frère Barat. Mais nous sommes ici unis par la fraternité, le contexte, l'histoire et la dynamique politique. Oublions le passé et allons de l'avant. C'est avec passion et émotion que le professeur Batulukwebo a laissé tomber quelques mots. C'est un grand jour, effectivement. Vous savez quelles sont les charges qui sont les miennes en ce moment, les charges me confiées par son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. Lorsque j'ai été abordé par mon petit frère, qui est devenu même mon confident, à la surprise générale, j'ai cité l'honorable Justin Bitakwira ici à ma gauche. Il ne se passe plus un jour sans que nous puissions échanger. Et il est toujours avec son ami José Kalala qui nous a présenté. Que tous unis, nous pouvons faire de grandes choses. C'est autour d'un verre, comme le veut la tradition, que cette adhésion a été scellée à l'Union sacrée de la nation. Voilà, comme dit mon frère Papa Edo, l'Union sacrée des Makamba. Et aujourd'hui, nous parlons de la dynamique des grands équateurs, la coordination des grands équateurs, la dynamique des 13 parlementaires qui soutient aussi les actions du chef de l'État et aussi l'Union sacrée, parce que ces membres de l'Union sacrée ont dit qu'ils dépêchent du Tshisekedi. Madame Sarah, vous avez suivi. Ils sont, disons, les grands Kivu aussi dans la même lignée que les grands Équateurs. Mais on voit Madame Sarah qui s'est donné la peine de faire partie de ces groupes. Pourquoi? Voilà. Premièrement, j'aime la politique parce que la DTP fait partie de l'UDPS. Nous sommes d'abord politiciens. Oui. Et au-delà de ça, je choisis d'adhérer à la DTP parce que la DTP, nous prônons les valeurs de 13 parlementaires. Okay. Si nous pouvons revenir dans l'histoire, ces 13 parlementaires avaient eu à l'époque le courage de s'élever, d'écrire une lettre au président Mobutu pour dénoncer la mégestion, pour dénoncer
ce qui s'est passé. Mm-hmm. Donc, vous voyez qu'ils ont, ils ont osé, ils ont eu du courage, ils avaient ces soucis-là, c'est du développement du pays, ils avaient ces soucis-là que les choses se passent bien. Alors, parce que la DTP est en train de défendre ses valeurs, alors j'avais trouvé que c'est important que j'adhère, que je fasse partie de ça. Et aussi, je suis jeune, j'aime apprendre. Donc, je suis là à la DTP, j'apprends parce que je suis entourée des vieux. Nous avons des professeurs d'université, nous avons des directeurs, des entrepreneurs, de gens qui... En tout cas, j'apprends beaucoup d'eux. Et surtout, j'apprends la loyauté, j'apprends beaucoup de choses, comment servir mon pays. C'est ce qui m'a en tout cas motivée de faire partie de cette équipe. Les novices diront que la politique, c'est un monde de coups bas. C'est ça. Madame Sarah Ngou-Debia, aujourd'hui, se retrouve dans la politique. Quel sera votre apport? En tout cas, je dirais mon apport, c'est plus en tant que femme, parce que je déplore ce qui se passe dans notre société. Nous voyons des femmes. C'est vrai, il y a des femmes dans le milieu politique. Il y a des femmes à l'université. J'étais à l'université. Il y avait des femmes. Mais les femmes se sous-estiment, je peux dire. Les femmes se sous-estiment. Elles pensent, elles valorisent plus leur corps que leur tête. Elles pensent qu'elles sont faibles. Elles pensent qu'elles sont là que pour l'homme, pour le ménage, pour embellir. Donc là, je suis contre ça. Et moi, mon apport, premièrement, et surtout que je suis du Nord Oubangui, je représente le Nord Oubangui, mon apport, c'est plus essayer d'approcher ces femmes-là, de leur montrer de quoi est-ce qu'elles sont capables. Elles sont capables de jouer un rôle dans la société et qu'elles doivent s'élever. Et en même temps, je suis là aussi pour défendre l'intérêt de femmes, le droit de femmes, que les femmes ne soient plus marginalisées. Donc, c'est un peu ça. Voilà, nous sommes en direct. Prière de nous faire un message. Maître Clément Kongolo, merci pour votre appel. Mais sinon, écrivez-nous. Nous allons lire votre message. Et s'il y a des suggestions, des critiques à faire, nous sommes ouverts pour tout ça. Alors, la femme est utile. La femme, c'est la source de bénédiction. La femme est le chemin par l'excellence que Dieu a pensé pour que Jésus-Christ vienne au monde. Talara, canal par excellence, Oyozolo Biko. Donc, c'est par la femme qui est venue la vie. Donc, la femme est très utile. Alors, nous vous proposons d'abord de suivre cet élément. Hier, nous étions au complexe GB, en Galima, avec la coordination des Grands Équateurs, les 13 parlementaires UDPS Tshisekedi. Nous avons parlé de beaucoup de choses. En tout cas, on a découvert combien notre pays est riche, potentiellement riche, et comment les transformer, comment transformer ces potentiels en richesse afin que nous puissions palper et vivre le bonheur de cette partie de la République. Alors suivez, c'est un élément que nous propose Brandy Toumba et Céline Bayab. Réunion de la coordination du Grand Équateur, dynamique des 13 parlementaires UDPS Tshisekedi, organisée ce samedi 6 février 2021 à Kinshasa. Une première en tout cas, qui a réuni des dignes fils et filles de l'Équateur sous les thèmes « Pour quel leadership politique susceptible de relever les défis du décollage économique et social de Provence du Grand Équateur en ce moment des reconstructions nationales ?» Une occasion pour les participants d'échanger non seulement sur la gestion de l'agriculture et de l'environnement, mais aussi sur l'exploitation des potentialités qui regorgent cette partie de la République démocratique du Congo. Pour qu'on puisse investir, il faut trouver des ressources innovantes, recourir à l'aide extérieure pour qu'on arrive à essayer de faire quelque chose. En fait, si 70% sont consommés par les rémunérations, il reste que 30% que le pouvoir central doit investir. Alors qu'est-ce qui va encore rester pour donner aux provinces en termes de transfert? C'est quelque chose qu'on ne peut pas ou qui ne peut pas permettre à ce que les provinces puissent se développer. Alors, il n'y a pas de choix. Le choix, c'est les provinces doivent absolument
développer des stratégies qui puissent leur permettre de pouvoir mobiliser les ressources propres qui leur sont reconnues par la Constitution. Et cela n'est pas sans fondement. La Constitution prévoit, à son article 3, que les provinces sont autonomes, comme a dit le coordinateur de Sud-Oubangui. C'est un régionalisme politique qui est instauré dans notre décentralisation, parce que là, le compromis entre les tenants du fédéralisme et les unitaristes, et on a dit, ben, on trouve un modus vivendi, on donne aux provinces une certaine autonomie, donc sans les entités politiques, c'est un deuxième échelon de la gestion du pouvoir politique. Ce qui fait que finalement, vous avez les exécutifs au niveau des provinces, et même les assemblées, parce que les provinces, chez nous, ici, fonctionnent comme les États fédérés au niveau des États fédéraux, au niveau des fédérations d'État. De sorte que les charges augmentent, mais les constituants ont réfléchi en disant, voilà, il faut leur donner non seulement les ressources propres, qui seront complétées par les transferts du pouvoir central et une partie des recettes à caractère national pour qu'ils aient des moyens nécessaires pour financer les projets locaux de développement. L'idée du constituant, vous avez compris, c'était de donner les moyens à ces entités de base pour que le développement du pays parte par la base. Vous devez comprendre une chose, que la province de l'Équateur, et pourquoi pas prendre aussi tout le pays, il n'y a pas un domaine ou un secteur qui peut donner l'autonomie d'un pays ou d'une province comme l'agriculture et pourquoi pas l'environnement. Vous devez comprendre une chose, ici dans ce pays, même à Kinshasa, vous pouvez regarder vos maisons. Tout ce que nous mangeons aujourd'hui, à 90%, ce sont des produits importés de l'extérieur. Pourtant, nous avons un sol arable que nous ne pouvons pas nous imaginer. Personne ne fait. Tout vient de l'extérieur. Vous allez à Guémena ici, à l'arachide, mais par moment, cette arachide sert plus les Congo-Brazzaville et le Cameroun, et pas ici. Nous avons du poisson, j'ai la compte des poissons de la RDC, par moment aussi, au niveau du Gabon, mais pas ici. Mais nous, tout ce que nous mangeons, les riz, beaucoup, tomates, ça vient de l'extérieur, Rwanda et des autres pays. Mais chez nous, il y en a pas. Pourquoi? Tout le temps qu'on a passé, il n'y avait pas une bonne mobilisation, il n'y avait pas une bonne politique agricole. Ça, c'est une faiblesse qu'il y a. On n'appuie pas. Les agriculteurs ne sont pas subventionnés, donc il n'y a pas de subvention des agriculteurs agricoles. Il n'y a pas l'entretien des routes, des lycées agricoles. Il n'y a pas des moyens d'évacuation. Il n'y a pas de bons centres de commercialisation. Pourquoi pas la conservation et la transformation, nul durant tout le temps que nous vivons. Quel est l'objectif primordial de la coordination du Grand Équateur dynamique des 13 parlementaires UDPS Tshisekedi? L'objectif principal de cette matinée politique, c'est d'abord de soutenir le chef de l'État, c'est d'adhérer à la vision du chef de l'État, mais c'est aussi de chercher à promouvoir l'espace du Grand Équateur, parce que c'est un espace qui regorge des différentes potentialités humaines et naturelles. Et alors, pour adhérer à la vision du chef de l'État, il faut amener les moyens, les outils pour encourager sa gouvernance. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous sommes mobilisés autour de la dynamique des 13 parlementaires pour accompagner le chef de l'État et lui apporter les talents, lui apporter le tableau des ressources dont regorge le Grand Équateur. Nous voulons cette fois-ci démontrer que nous ne pouvons pas seulement compter sur les mines ou nos minéraires, je voulais dire. Il ne faut pas seulement compter sur d'autres choses, avec une économie extravertie, mais avec nos richesses naturelles que Dieu nous a données, on peut bien combattre la pauvreté et le Congolais peut mieux vivre chez lui. Présent à cette réunion, le conseiller principal du chef de l'État au Collège Santé et Bien-être, Bola Benjamin, a martelé sur les valeurs fondamentales qui se résument en trois, dont l'intégrité, le professionnalisme et le respect de la diversité. On n'a pas de matière grise, on n'a pas de ressources
mais il y a un problème. Le problème, c'est dans les valeurs fondamentales. Et dans les valeurs fondamentales, on a Ezalaka et Delete. Il n'y en a que trois, les valeurs fondamentales. Eux, ça n'a que cadre, dans la ressource de l'Union européenne, cadre a la capacité à gérer. Le premier, c'est l'intégrité. Intégrité, c'est ça le premier. Et vous retrouverez ça quand il y a programme, il y a chef de l'État. Quand il y a programme, il y a quatre axes. Axe, il y a du bosso. Déjà, au coup de la bonne gouvernance, axe la bonne gouvernance, au coup de la pilier 6. Tout ça, ma casse n'a pas de coordonnateur, il y a ma carrément dynamique à la 13 parlementaire, on a tous les cas pour multiplier le programme de chef de l'État. Quatre axes seulement. Et dans l'axe de la bonne gouvernance, vous allez trouver la pilier 6, la lutte contre la corruption et le détournement. Et pour le président de la dynamique, Maître Antoine Abba Bifouanina, il est temps d'appartenir à l'Union sacrée et à soutenir les actions du chef de l'État, car, dit-il, le chef est le visionnaire du programme du développement de la RDC. Mes chers amis, comment est-ce qu'on peut construire ailleurs alors que nous, on ne fait rien? C'est pourquoi, avec l'éveil de conscience que le chef de l'État a amené, par son génie politique de l'Union sacrée. L'Union sacrée, c'est la prise de conscience de chacun de nous. Chacun de nous doit savoir qu'est-ce que je dois faire pour la République. Lorsque vous n'êtes pas encore en mesure de penser qu'est-ce que je peux faire pour la République, donc, vous n'existez pas. C'est ainsi que la dynamique des 13 parlementaires vient vous aider à ce que vous puissiez prendre conscience, que l'auto-prise en charge ne soit pas un slogan. Adhérer dans ce mouvement ici, il y aura des récompenses. Parce que quand j'ai aimé la présence du conseiller principal, conseiller, voilà vos frères que vous pouvez facilement encadrer. Ce sont des hommes politiques, des hommes et des femmes politiques que vous devez présenter. Nous les formons parce que nous voulons que le nationalisme ne soit pas un vœu mot, mais que ça puisse être une réalité. Et la DTP, qui est votre mouvement, est là pour faire de vous des hommes et des femmes capables de dire « je suis présent, je peux servir pour la République ». Il faut rappeler tout de même que cette rencontre a été sanctionnée par la présentation des membres des comités de coordination. Initiative et développement, un créneau pour la promotion des valeurs morales et socioculturelles. Initiative et développement, un temps d'arrêt sur ce que vous êtes. Voilà, j'espère que vous avez aimé, vous avez suivi les éminents professeurs Batoua Maïli, Batoua Bouania, Bantuya Menji, partager. Donc, nous espérons que Marambizoni Penza, Kalamingite, on va procéder à la transformation des produits, à la commercialisation des produits, pourquoi pas voir des desserts agricoles. Pour Bisson à Kinshasa, il faut tout lier bien. Arrêtons de consommer seulement le produit importé, alors que tous en a nion son abisso awa ou que ça l'abisso bien. Maman Sarah Moudébia, vous avez suivi le reportage, vous étiez la témoin de l'événement. Ça vous fait quoi? C'est un réel plaisir, Madame Africa, de voir ça, parce que j'aimerais dire que hier, c'était non seulement à la fois une journée politique et aussi des réflexions. Mmh. Une journée politique parce que c'était l'installation de notre comité et aussi une journée des réflexions. Notre pays est un pays extrêmement riche. Nous avons toutes les richesses en tout cas. Le sol, le sous-sol, nous sommes tellement bénis, non seulement par rapport aux ressources, mais aussi aux individus. Nous avons de personnes intelligentes, nous avons des éminents professeurs d'encore. Nous sommes tellement bénis. Mais pourquoi les choses ne marchent pas?
et surtout notre province de l'Équateur, nous avons la forêt, nous avons l'eau, nous avons le pétrole. Mais pourquoi la province ne se développe pas? Alors c'était ça vraiment le but de notre journée de réflexion, essayer de voir comment développer la province. Donc nous parlons du grand Équateur, donc, qui regroupe au sein 5 provinces. Nous avons le nord Ubangi, le sud Ubangi, Mongala, et Chuapa et aussi Équateur. Donc c'était un peu ça, essayer de voir, de réfléchir. Et ensemble, nous étions tellement bénis. Moi personnellement, j'ai appris beaucoup de choses. Et c'est même hier que j'ai appris que là, c'est d'ailleurs la province de l'Équateur, donc la grande Équateur qui a construit les Katanga, donc les caoutchoucs de l'Équateur. Donc je l'ai appris hier, donc c'était vraiment bénéfique. Donc, voilà, nous avons appris également qu'à l'Équateur, il y a Formosia, vraiment, il y a pas mal de bois. Donc, c'est une bonne chose, question de vivre, de matérialiser tous ces bons projets. Mais vous, en tant que membre, fille, digne fille de l'Équateur, du Grand Équateur, du Nord Ubangi, alors, comment comptez-vous matérialiser ces projets? Comment vous allez faire vivre vos sœurs, frères de là, les merveilles de ce que vous mijotez dans la sainte du 13 parlementaire? Je viens de prendre mes fonctions officiellement hier. Donc là, nous sommes en train de créer un comité. Nous aurons des experts, des scientifiques, parce que la plus grande richesse de l'Équateur, c'est la forêt d'abord, nous, le Nord Ubangi aussi. Nous avons barrage des Mobayimbongo, c'est aussi là. Nous avons Guadolite, Yakoma, qui fait partie du Nord Ubangi. Donc, nous sommes en train de mettre en place un comité des experts, des gens qui vont essayer de connaître le vrai problème des Équatoriens et des gens du Nord Ubangi, essayer de voir et apporter. J'organise déjà une descente, je crois dans 2 mois je serai là sur place à Guado et pourquoi pas Yakoma, arriver sur place, connaître les soucis de la population et surtout aussi encourager les dames, les mamans qui sont là dans les champs, qui sont là, les encourager et leur démontrer qu'elles ont un grand rôle à jouer pour le développement de notre pays. J'espère que vous n'allez pas nous laisser. Pourquoi vous laisser? Voilà, c'est un bayabo. Ok, mission. Donc, Papa José Motsingia, le grand Équateur, vous êtes de l'Équateur, alors il faut appuyer les projets. Il faut là-bas Kindekuna, qu'on prenne des images, qu'on voie le merveille qui se trouve là-bas au nord Ubangi, comment les gens vivent là-bas, comment soutenir l'économie du pays à travers le bien fondé ou le bien fait de la terre des nord Ubangi. Et tout ça, ce sont des problèmes auxquels nous faisons face. Alors, ne nous appelez pas. On avait dit, faites le message. Alors, Madame Sarah, c'est vrai que nous acheminons un peu lentement, mais sûrement vers la fin. Pour toutes les femmes qui vous suivent à la maison, toutes ces femmes qui parfois détestent la politique, disent que la politique c'est un art et c'est la démagogie, pour toutes ces femmes qui disent que pour ça la politique, il faut avoir tout le monde ensemble et la rater, pour kunamiyibi. C'est pas moi, c'est ce que les gens disent. Alors vous qui avez appris l'intégrité, le professionnalisme, comme disaient les professeurs, comme disait le conseiller principal, le conseiller Bola Benjamin, l'intégrité, le professionnalisme et le respect des diversités. C'est ça. Donc ces trois choses-là, Kotipe Napilié, il y a Makambova 13 parlementaires. Que direz-vous à toutes ces femmes? J'aimerais encourager les femmes, surtout les jeunes, d'être non seulement passives, parce qu'il y a des femmes aussi dans la politique, mais elles sont plus passives. Elles sont plus là seulement pour faire voir peut-être leur présence et tout, mais elles n'agissent pas. J'encourage les femmes à participer dans la politique parce que c'est le seul moyen aussi de participer dans la gestion de la chose publique. Il faut pas seulement être là à se plaindre, oh non bozo qui peut lui sauter, ah bah si, oh bozo les lacas, mais les femmes ne sont pas là.
les femmes ne sont pas là. Donc il faut d'abord commencer à être là. Et non seulement à être là, mais il faut aussi être compétente. Parce que ça pose aussi les un problème. Les profils, hein? Oui. C'est hyper important. Ça pose aussi un problème. Mmh. Nous avons même à l'université, nous avons étudié avec des filles, mais qui cherchent toujours un copain là, intelligent. Donc, ou bien sortir avec l'assistant pour passer. Donc, ce n'est pas seulement avoir les diplômes, mais la compétence. Ouais. Nous avons besoin de femmes. J'encourage des femmes compétentes et j'encourage aussi d'autres femmes. Et ce n'est pas trop tard dans la vie hein, pour apprendre, il faut aimer, il faut avoir des objectifs. Ouais. Donc, j'encourage vraiment les femmes à venir adhérer aussi à la DTP. Hein. J'encourage les femmes, je suis là, la dynamique des 13 parlementaires, surtout les femmes du Nord Ubangi, je vous attends. Merci beaucoup à toutes les femmes de qualité. Betty Amani Kunde Kunda, donc ça c'est pour toi. Jason Kunda Nabosani Otoyo Kangilanga Kanda. Jason, ça c'est pour toi, JJ. Alors, toutes les femmes, nous vous aimons beaucoup. Ce plateau est là pour vous. Nous voulons des compétentes. Alors, Félicien et Sanga. Garçon Bio, merci pour le travail. Papa Jean Donga, merci beaucoup. Osé Dokolo, son, merci. Selim Bayabo, mon fils, merci beaucoup. Nous vous aimons. Madame Sarah Ngoudébia, nous espérons que nous aurons le temps de vous recevoir dans notre mission et surtout que vous êtes une femme de terrain. Nous espérons avoir des images de Nord Ubangi pour montrer aux gens la réalité de cette partie de la République démocratique du Congo. Alors, la rediffusion, c'est les jeudis à 15h. D'ici là, portez-vous bien. Quant à moi, je vous retrouve le dimanche pour un autre numéro. Au revoir. Papa José Motsingia, merci pour tout. Merci, merci, merci. Et on se retrouve prochainement. Bye.